Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors tu as installé iOS 18, tu as découvert toutes ces nouveautés, n'hésite pas à les voir, je t'ai fait un récapitulatif de toutes les nouveautés que tu peux trouver sur iOS 18 sur ton iPhone. Tu as une paire d'AirPods Pro deuxième génération ou tu t'es procuré une paire d'AirPods. Avec iOS 18 et ses nouveautés, eh bien tu vas pouvoir répondre ou refuser avec, oui, avec ta tête. Et ça, c'est vraiment super génial. Pourquoi ? Puisque tu vas pouvoir accepter tout simplement les appels avec ta tête en faisant le signe de oui ou en faisant le signe de non, voire même les notifications. Donc tout simplement, regarde ici, je te montre tout de suite, tu chausses tes AirPods. Maintenant, je te propose d'aller tout de suite voir dans Réglages et dans Bluetooth. On va aller directement dans Informations et je te montre tout de suite le réglage que tu pourras exécuter. Et regarde ici, écoute bien, c'est vraiment stupéfiant. Tu vas pouvoir donc répondre à tes appels tout simplement quand ça va sonner en faisant le signe de oui ou en faisant le signe de non. Ce qui veut dire que grâce à cette fonctionnalité, une fonctionnalité qui n'est pas forcément une fonctionnalité d'accessibilité, eh bien tes AirPods deviennent plus intelligents. iOS 18 est bourré de nouveautés. Dis-moi si tu en as découvert d'autres en section commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et ici, cette fonctionnalité, tu peux l'activer directement. Je te montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Regarde comment ça se passe. Et tu me dis, qu'est-ce que tu en penses? Alors, tout simplement. Contrôlez les AirPods en bougeant la tête. Bougez votre tête de haut en bas ou d'un côté à l'autre pour accepter ou refuser des appels et interagir avec les notifications sans parler ou utiliser vos mains. Vous pouvez personnaliser les gestes dans les réglages Bluetooth. Activez bouton. On va aller dans Bluetooth. Bluetooth, en tête, mes appareils. AirPods Pro de Vision High-Tech, connecté, bouton. AirPods Pro de Vision High-Tech, savoir plus. On va régler tout simplement. Écouteur gauche, contrôle du bruit, en tête. Non, bouton, sélectionner, transparence, adaptatif, bouton, détection des conversations, réduit le volume du contenu multimédia et le bruit de fond lorsque vous vous adressez à d'autres personnes, bouton, oui, audio adaptatif, bouton, audio adaptatif, le geste de la tête, oui, vous bougez votre tête de haut en bas ou d'un. Franchement, c'est pas génial, écoute ce qui se passe, vraiment, c'est top. Est-ce que tu as essayé cette nouvelle fonctionnalité? Est-ce que tu as essayé cette nouveauté sous iOS 18? Elle est vraiment ultra sympa. Si tu as des AirPods, tu vas vraiment kiffer de jouer avec ta tête. C'est un peu comme le son qu'on a avec les AirPods. Lorsque tu as du son 3D qui suit ton iPhone, lorsque tu bouges ta tête, ça marche comme ça. On continue. Voilà pour ces réglages. D'un côté à l'autre pour accepter ou refuser des annonces d'appel et interagir avec les notifications d'annonces ou fermer ces dernières. Et ce, sans parler ni utiliser vos mains. Continuez. Bouton. Bougez la tête vers le haut donc et vers le bas. Ici, en tête. Tu entends vraiment. Vous pouvez utiliser ce geste ce pour accepter les appels entrant et répondre aux notifications lorsque l'option annoncée les notifications sympa. Est activée. Donc un geste comme si vous disiez oui, tout simplement de haut en bas. Continuez, bouton. Déplacez votre tête d'un côté à l'autre, en tête. Vous pouvez voilà, utiliser donc, ce geste pour rejeter c'est prêt, les appels tout simplement et les notifications lorsque un appel arrive. Est ok, estompé. Dis-moi surtout ce que tu penses de cette nouveauté. Moi, je la trouve vraiment géniale. Dis-moi si tu la connaissais. Il y a pas mal de nouveautés sous iOS 18 à voir ensemble. Je vais vous faire différentes vidéos. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Et surtout, on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur iOS 18. Salut à tous.